Aujourd'hui, on va faire la comparaison entre une ligne qui est d'origine KTM 2024 et la nouvelle ligne Akrapovic Full Titan sans chicane. Si, c'est une chicane, avec et sans chicane. On va faire les deux tests, les gars. On va regarder ce que ça donne au niveau du sonomètre. Regardez, j'ai téléchargé une petite application et j'ai juste à parler et on va voir en fait combien ça va donner les décibels en origine avec la ligne et avec la ligne sans chicane. Donc, je vais me faire un repère, le même repère. Je pense que ce sera ce bout en ferraille. Je me mettrai bien ici comme ça, la moto pas trop loin. Et on fera aller le décibel en même temps qu'on accélérera avec la moto. Ok les gars? Donc bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur la chaîne POV. J'ai craqué, je vous avais dit que j'allais garder la surprise pour le banc chez Bentec, mais je peux pas. Il faut que je la mette la ligne, ça finira la moto. Après elle est complètement finie. Il manquera aussi les deux petits stickers KTM là en fait, en noir. Je vais faire une petite réplica de la moto de Joseph Garcia de Wisha. Donc je me suis fait vraiment kiffer. Elle est belle, là, je suis trop content. La lumière du jour, elle sort super bien. Donc je monte ça. Enfin là, débat. D'abord, je vous fais le test. Je vous fais le test avec le sonomètre, machin, tel truc ici. Tu vois, je me mettrai ici. J'accélérerai. Et on verra à chaque fois. Du coup, pour me mettre un repère, les gars, on va dire que je vais prendre un JU du boudin. Je te prends un JU, ma fille. Je te prends celui-là, ça te va? Je te prends que celui-là. Ici. Voilà, ça sera notre repère. Non. C'est à moi le JU maintenant. Ok, donc là, je vous propose tout de suite. La ligne est montée d'origine. On démarre, la moto est chaude. C'est pour ça que d'ailleurs, entre les deux, je vais devoir attendre qu'elle refroidisse. Et puis, c'est parti pour le démarrage. D'origine, les gars. Il n'y a pas de chicane, nous. Enfin, si, il y a un nid d'abeille en plus. Elle fait vraiment pas de bruit. C'est une ligne d'enduro. Voilà. Très, très silencieux. Bien là. Ouais. Alors, on met au repère. À l'arrêt, on est à 84. Là, quand je parle pas, regardez. C'est un peu faussé. Faut que je mette plus comme ça, je pense. Bon, cette application là, ça a du brin. On en prend une autre, je crois. Putain, elle a piqué son jus. Bon, je mets là. Ok. On va comparer le bruit, les gars. Qu'en pensez-vous? Franchement, le bruit m'excite. Le bruit m'excite. Ça peut être de l'origine, les gars. Le bruit, il m'excite. Je vais attendre que ça refroidit. On monte tout de suite la ligne Akrapovic avec la chicane. Et puis voilà, je vais déjà enlever le silencieux. Je vais tout vous filmer. C'est un pauvre. Et vu que je suis pauvre, eh ben, pauvons ensemble. Ouais, c'est bon, vous avez pas très chaud la cartouche. Montez la Akrapovic Titan. Je suis dégoûté comment je l'ai tué mon silencieux. Je suis tombé une fois à l'arrêt, gros. Dégoûté. Par contre, faut pas que je me fasse avoir, c'est que là, les vis, si je les perds, gros, je suis pas dans le bras. Tu vois, il manque la rondelle. Est-ce que ça passe là, gros, je suis prêt. Bouge pas, bz. Hop. Oh, tu sais quoi, on va la démonter, même si elle est chaude, on s'en fout, je vais prendre des gants, je sais pas comment je vais faire. Là. Passe par turbo nabzé. Voilà. Ok. Et Fins, j'avais besoin du jus, hein, pour le repère. T'en as rien à foutre, toi. Un tire-sort ici. Est-ce que quelqu'un a la ref? Alors là, mon pote, si quelqu'un a la ref... Ça remonte, hein. Ok, d'accord. Tu en veux les ressorts avant? Je suis un peu débile. Ouais, gros, mais quand t'es con, en fait, c'est tout. Je vais mettre là. Avant que dinguerie ne se passe. Et vous connaissez ma patience, les gars. Vaut mieux pas de tester. C'est chaud ou pas ça? Oh, c'est chaud. Un bitch. Bonjour Fins, comment allez-vous? Attends. C'est amusé. Voilà. Alors lui, si j'arrive à prendre le ressort sans... Ah, brûlé. Ah non, il est bouillant. Ah, mais je suis un ouf, moi.
Gros, il va tomber dans le... C'est sûr, il va tomber. En fait, c'est mon but. Hein. Oh oui. C'est beau. Voilà. Voilà. Tire au sort, c'est bon, les gars. N'hésitez pas, les gars, à vous abonner à ma petite chaîne YouTube. Mais ici, franchement, vous abonnez pas en mode vous allez retrouver que du cross. Hein. Vous allez retrouver des trucs qui n'ont absolument rien à voir. Hein. Je peux très bien faire un POV, je teste de faire des hamburgers. Non, mais vraiment, je te dis ça parce que j'ai sûrement filmé un food truck là. C'est une chaîne, il n'y a pas de sens. Hein. Donc réfléchissez quand même bien avant de vous abonner. Hein. Cherchez un chiffon. Oui, bah oui, j'ai pas trop envie de montrer toute ma vie non plus. Il y a des choses qui devraient rester secrètes, les amis. J'aurai. Ça pue! J'en peux plus. C'est là, c'est quelque part. C'est pas ça quand même. Ouah! Tes chaussures, c'est une infection, Daf. Non, vraiment, c'est une infection. J'ai même des doutes que c'est ça. Ou alors il a pissé dessus, j'en sais rien, mais. Ouais, il doit avoir un mélange de pipi et d'autres choses. Viens ici. Viens ici. Putain, maïs, il reste près de la route, il me saoule. Hop. Silencieux. Voilà. Ici, pourquoi je me brûle, gros. Ah oui, 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 il vient. Hop. Voilà. Mon gros minuit. C'est vrai, je suis en train d'un mode ouais pour qu'il rentre, parce qu'il reste près de la route. Voilà. Alors attention, touche pas à ça, mon fuir. Mon grand minuit. Mon rat. C'est toi qui te casse partout, espèce de gros fumier. Nala, tu veux ton jouet? Eh ben, cherche ton jouet. Vous inquiétez pas, elle fait rien de mal à chaque fois, juste elle court après. T'as vu, même lui, il a pas peur, il reste là. Les gars, le Graal. Le Graal. Fiu. Ça se bat en courant, hein. Non? Oui. Mettez-moi cette ligne. Attends, parce que là. Ok. Oh là là, ça va changer tout la donne, les gars. Le silencieux. On avait fait une comparaison de poids sur mon TikTok Hugo Cola, si vous voulez voir. Et vous serez étonné. Allez voir. On a pesé la ligne d'origine complète contre la ligne titane à Krapovic. Franchement, je vous invite à aller voir, les gars. Oh, c'est pas vrai. Ah ouais, là, joli oui. Adieu. Ah, c'est joli, hein. Oh, c'est vraiment joli. Je trouve ça super joli. J'adore. On est en one shot. Oh, je suis dinguerie incoming là. Non. Ça va me faire chier ça. Ok, nickel. Je mets les ressorts tout de suite les gars. Là je viens d'oublier un. La vis je vais te la mettre prémontée dessus. Et dites-vous que cette ligne on va encore la redémonter après. Pas dans cette vidéo, mais vu qu'on va la passer au banc, on veut voir combien on gagne de cheveux avec une ligne sur un 2,5 enduro-rose. Parce que l'enduro il est vraiment bridé du cul de ouf les gars. Ça c'est 39 chevaux apparemment d'origine. Vous vous rendez compte? Donc là ligne, boîtier normalement qui arrive, je fais une petite collab avec un cher compatriote que vous devez peut-être connaître. Moi je serais pas étonné que vous connaissez. Il commence à faire parler de lui dans les milieux. Il a inventé un boîtier qui marche super bien sur ces motos là apparemment, donc on va tester ça. Attends, parce que là, il y a des ressorts plus lourds que l'autre ou pas? Il m'a l'air court celui-ci, bizarre. C'est tous les mêmes? C'est tous les mêmes. Eh ben bordel! Il va être chaud à mettre. Mais attends, j'ai un doute s'il faut pas mettre les ressorts. Ils ont donné des ressorts à Cra, peut-être. J'ai pas été voir. J'ai voulu faire une dinguerie. Non! La moto, elle a failli tomber, gros. Non. Il y a des ressorts. Ah putain, il y avait des ressorts spéciaux.
Eh ben, mon fût, tu peux enlever. Putain, je t'ai chié pour rien. Adieu. Mais attends, ils m'ont l'air encore plus petits, ceux-là. C'est pas vrai. Ah, je suis un délire, hein. Donc, peut-être plus souple aussi. Ok. Allez, tombe dans le trou. Oui, c'est bien ça, gamin. Êtes-vous prêt? Oh, je suis bien là. Oh, je vais mettre un de dessus là. Rarement qu'on m'achète que j'achète un tir au sort un jour. Fils de pute. Cassé? Non? Oh, faut expliquer ce qui se passait. Je vais la voir. Je l'aurai un jour. À la vidéo, on va faire 40 nuits. 40 nuits de montage de ressort. Ouais. Ouais, tir au sort à l'époque. Pourquoi ça? Ok. Ah! Ah, je me suis tué. Bonjour. Moi, c'est Maurice. Je suis ambulancier. Et là, je suis en train de chier. Quel arrive. Allez, go, se tuer une deuxième fois. Ah, je pourrais passer à travers tout, là. Ouais, c'est bien en vrai de ressort. Hein. C'est bon, ça m'a cassé les couilles, je le mettrai plus tard. Hop. Moi, je le mettrai plus tard. On est là pour les performances. Je veux démarrer le bolide avec la nouvelle ligne. Les gars, démarrage, nouvelle ligne à Krapovic. Full titan. Par rapport à l'origine, on va voir ce que ça va donner. Vous êtes prêts? Go. Oh oui, rien à voir. Oh oui. Oh la vache. Il y a la chicane là. Oh ouais, ça crache là. Après bon, comparé à ça. Écoutez. Ah ouais, mec. J'adore. Alors sachant que moi, attendez, j'ai flippé. Sachant que moi quand je l'ai acheté les gars, Hassan, le vendeur, il m'a tout de suite mis la carte Acra dedans. Parce qu'il savait que bah tu vois la 1h30 la moto, que j'allais mettre la ligne tout de suite Acra avec. Donc là faut le temps que la sonde lambda peut-être elle se mette en route et pas que la gestion elle se fasse un peu mieux. Mais on va essayer les gars sans la chicane maintenant nous. Parce que déjà là avec la chicane gros le bruit que ça fait, c'est une chicane ça, je suis pas fou. C'est bien ça. T'enlèves le bitonio. C'est quoi? C'est une clé BTR. J'arrive, bougez pas. Ah putain, j'ai pas vissé le silencieux. Ouais. Ah, j'ai tout fait la rage, mon fou. Du coup, par curiosité, hein. Honnêtement, je pense vers moi, je vais rouler avec la chicane, les gars. Je suis pas fan des trucs qui font beaucoup trop de bruit. C'est pas trop mon truc. C'est pour ça que j'aimais bien l'électrique aussi. Ah là, ils vont tous me traiter là. Mais voilà, c'est comme ça quoi, les goûts, les couleurs. Ah, après, un petit bruit, attention, je dis pas. J'aimais bien aussi. Wow. Il y a une technique pour enlever la chicane là. Je sais pas, ça, c'est toujours une galère d'enlever les chicanes, j'ai l'impression. Ils sont rentrés en force dedans. C'est chaud. Oh mec, c'est abusé là. Je crois que je vais l'avoir comme ça les gars. Tout doucement. Juste la décoller. Oh, bah attends, quand je vais enlever ce truc là, gros, ça va faire un bruit de malade. Oh Dieu. C'est ça la chicane les gars. Bah y'a rien dedans. Ça fait juste dévier un peu les gaz. Je sais pas si ça va changer quelque chose. Hein. Bon, on arrive à la chicane, les gars, c'est bon. On va tout de suite être fixé. Ouais, si, quand même. Ouais, si, quand même, ouais. Waouh. On va faire qu'un test, là. Hein. Ouais, c'est abusé, là. Oh, c'est abusé. Non. Watch.
très très silencieux. Oh oui, rien à voir. Oh oui. Viens là, toi. Mais frérot, ma chicane est tombée dans mon pot. Tu fais comment? Attends. Ah putain, mec. Elle est tombée dedans, frère. Mais là, il y a un délire, là. Ah frérot, il a gobé comme une carpe. Tourne la vis dans le temps. Ah bah d'accord. Là tu gobes mon. Mettre mon sexe dedans, tu vois. Ah bah nickel. Putain les gars. Bah je suis bien là. Ok. Oui. Eh ben tu sais quoi, dans tous les cas, je ne roulerai pas avec sans chicane, les gars, ça fait trop de bruit. Donc. Voilà. Pas trop non plus. Je vais vite remettre la vis, mon fût. Ok. Bon bah les gars, j'espère que ça vous a plu cette petite comparaison. C'était rapide. On va redémarrer vite fait avec la chicane. Comme ça, on a vraiment la différence de bruit. Oh, elle est belle, ma petite femme. Les gars, avec le boîtier et tout, normalement, c'est une moto qui prend beaucoup de tours et qui fait un bruit merveilleux. Ma petite Enduro 2,5, j'aurais jamais cru acheter ça de ma vie, gros. 2,5, 4 temps Enduro. Je me disais, mais qui achète ça, frère? Ça sert à rien. Bah si, au final, moi. En fait, ce qui est bien avec le nom pauvre, c'est que je peux mettre des GoPros sur les autres gens, c'est pas choquant. C'est pas ma chaîne, quoi. C'est un peu la chaîne de tout le monde. Et par contre, ce qui me dérange, c'est que quand moi je fais des vidéos, bah, je me dis, ouais, mais putain, il manque un peu. Il manque un peu, tu sais. Il manque un petit côté où, vas-y, c'est ma chaîne. Donc le point de vue du Go, ça aurait été sympa. Après, je peux très bien faire le point de vue du Go et mettre des vidéos GoPro des autres aussi, c'est bien aussi, y a pas de souci, tu vois. C'est juste moi, je me fais des blocages. Allez, on démarre. Ah, c'est mieux. Abonnez-vous les gars, mettez un pouce bleu, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les gars.